Amen. Amen. Bienvenue ceux qui sont là pour la première fois. Soyez bénis. Passez un bon moment dans l'église de la voie du salut. Nous allons nous mettre debout si ça ne vous dérange pas. Amen. Merci. La parole de Dieu nous est dit dans le psaume 37. Thank you.
Thank you.
Seigneur est parvenu pour que je sois.
Merci. 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 Mer
Seigneur, mais déjà Dieu accomplit son
Voilà, Dieu a compris chaque série de dessins. Amen. Voilà, avant de vous laisser les annonces, la prière pour les anniversaires, la prédication, nous allons passer au service des offrandes. Alors, ce que vous avez mis à part pour le Seigneur, il y a la sœur Estella et la sœur Wendy qui sont à décider aujourd'hui pour ramasser votre argent pour le Seigneur. Pas pour la porte du gain. Bon, tu viens avec un temps qui peut dans le de Dieu. Amen. Seigneur, parce que Seigneur, vous voulez bien, on ne peut pas souffrir de Dieu en toi. On dit Seigneur, je ne peux pas. Dieu sait quand tu peux donner. Amen. Amen. Et j'ai envie de dire, ne regrette pas un jour quand tu vas quitter la terre en disant qu'est-ce que je vais faire avec mon argent. Ou bien qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon argent. Mais ton argent, dans la bonne terre de loyer. Amen. Et les autres qui vont venir, les membres de ta famille. Les amis, parce qu'ils vont venir ici, c'est grâce aux fruits, parce que tu as semé des finances. Amen. On va les soeurs vous approcher et nous allons chanter, pour avoir le Dieu avec la Torah. Alléluia. Pour comprendre d'ailleurs, je dis à tous les pasteurs, commencez à donner des ordres, à donner votre offrande
Parce que si Dieu vous bénit, donc vous devez aussi bénir son œuvre dans votre âge. Amen. Je crois que ça, c'est le point motif et ça va nous protéger aussi de l'amour de l'argent. Vous voyez, quand nous donnons des dons, nous n'allons pas avoir seulement cette tendance pour recevoir un panier. Mais Dieu nous donne la semence et nous semons la semence dans son règne. Amen. Alors, mes amis, nous allons prier pour l'anniversaire de Yann, qui avait un ange vigile le 26 août. Nous allons prier ensemble, si l'enfant peut venir. Et nous allons relâcher la bénédiction de cette salle. Vous n'êtes pas fatigué, donc vous allez prendre vos mains, vous allez prendre de l'eau et nous prions pour l'âme. Dieu notre Père, quel choix d'ajouter dans notre vie. Parce que Dieu le Dieu qui ajoute. Dieu le Dieu qui nous dit, je prie. Amen. Alors nous remercions à quoi nous plus que Dieu vient dans la vie du Seigneur. Merci pour cette année de bénédiction. Et nous prions, Seigneur, avec la grâce qui est déjà dans cette année-là, plus ajouter ces œuvres pour de nombreuses années dans la vie de l'âme. Parce que Dieu le Dieu qui nous dit, je prie. Et nous te demandons de lui garder, Seigneur, dans son déjà, de lui protéger pour toute espèce de mal, afin que cet enfant puisse devenir un prophète ou un pasteur, un homme de Dieu, pour te céder au nom de Dieu, Seigneur. Alléluia. C'est un bénédiction de l'éternel qui nous enrichit. Alors, Seigneur, je relâche cette bénédiction dans la vie de l'âme. Seigneur, merci pour cette grâce, ce grand privilège. Et que cet enfant soit toujours là, Seigneur, sous ton regard de l'âme. Au nom de Jésus. Et merci pour le parole. Je bénis. Amen. Au nom de Jésus, nous sommes en Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous allons nous en sortir place. Je vais te faire votre annonce. Oh, merci Seigneur. Je vous apprends la salutation du frère Pascal avec la sœur Élise. Donc, ils vont très bien. Après avoir resté 7 jours à confiner avec les parents. Donc, on a dit qu'ils sont en bonne santé, ils sont très bien, et de passer un jour à l'église. Alors, il y en a beaucoup, bien sûr, le Seigneur manque. Alors, veuillez penser à eux, pensons aux frères et sœurs qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, pour le frère Jean-Louis, qui vient de subir l'opération, pour lui dans le Seigneur en prière, pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se lier aujourd'hui. Pour être là, que le Seigneur puisse les protéger et que Dieu puisse les garder. Amen. Voilà donc, à la fin de cette réunion, vous allez prier pour moi et pour l'épouse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous marquons une génération par notre mariage. Je sais ce que je suis en lui-même, Seigneur.
Je leur fais grâce. Tout le monde vient dans cette partie de l'œuvre. C'est juste pour dire, ne vous accusez pas, ne jugez pas bien que ce soit. Moi, j'ai des frères, des personnes dans le ministère que j'ai encouragées pour le dire que bon, ce n'est pas la fin. Donc, plus tu vous êtes fort, plus tu le devrais. Parce que jugement, et ce n'est pas une gloire, mais c'est une grâce du Seigneur. C'est juste pour vous dire, bien-aimés, dans la parole de Dieu, il y a trois institutions. Première institution, le mariage. L'homme qui prend son père, s'attache là, s'attache. Deuxième institution, Jésus est riche, il a établi la Sainte-Seine. Il a dit que vous allez, chaque fois que vous allez dans la Sainte-Seine, vous allez faire ceci en nom du roi, c'est-à-dire l'alliance. On va en mariage, alliance. La Sainte-Seine, alliance. Et troisième, c'est l'alliance. Donc, alliance est possible. Il n'y a pas plus. Alors, bien aimé, il n'y a pas de secret, mais il y a l'engagement. Amen. Il y a l'alliance. C'est pourquoi la Bible dit que quelqu'un, avant de prendre un engagement, il va réfléchir, là, ne prend jamais un engagement à la légère. Parce que quand on va se marier, c'est pas encore la femme jolie, l'homme est joli, on a beaucoup d'argent, je ne sais pas, on a d'autres choses aux alentours, là, mais il y a une responsabilité d'engagement. Quand quelqu'un passe par les yeux du baptême, il a pris l'engagement avec Jésus, il doit suivre Jésus, non pas quelques années, quand tout ça va bien, mais il doit suivre Jésus, pour la vie éternelle. Amen. Le mariage, c'est un engagement. Parce que dans un couple, c'est pas tout le temps rose. Moi, je parle en général, je ne parle pas seulement le grand homme ou la femme, mais parfois il y a des circonstances avec la famille, les enfants, etc. Bref. Mais le mariage, la Bible dit que le mariage, c'est seulement la mort qui nous sépare. Voyez-vous, on parle de mariage jusqu'à que la mort nous sépare. Après, il n'y a pas d'autre alternative. Et seulement là. Ça veut dire que nous avons pris un engagement jusqu'à la mort. Voyez-vous, parfois les gens disent ça, il faut aller monter mon amour. Ah non. Je vais vous enseigner un jour, et ceux pour les adultes. Je vais vous donner des expériences. Ça, si on peut appeler, ce sont des petits soldats, ça. Vous allez avoir le système immunitaire qui va vous aider déjà à surmonter cette faiblesse dans votre vie. Mais pour qu'un mariage puisse résister, c'est l'engagement. Et la Bible dit que nous n'aurons pas de l'engagement à la légère. C'est quelqu'un, même si on aime, parce que le mariage, c'est pas seulement en disant, ben là, maintenant je suis marié, je suis un homme, je suis une dame, etc. Non, c'est loin de là d'aimer, c'est l'engagement. Amen. Quand je me suis marié, bien aimé, j'ai dit comme ça. Quand je suis sorti dans cette société, je marchais comme ça. Mais quand je me suis marié, mon homme était plus mince. Ceux qui m'ont connu, ils s'étaient pas convaincus. Voyez-vous? Parce qu'il y avait un fardeau sur moi. Et mon papa, il était en disant, mon garçon, est-ce que tu as bien réfléchi que tu vas s'en convaincre? Alors, les méchants, il n'y a pas ce fait, mais il y a l'engagement. Amen. Amen. C'est comme dans le ministère. Il y a le secret, bien sûr, ça c'est pour là, exercer déjà concernant conseiller ou pour opérer déjà dans le ministère. Mais déjà, pour être fidèle dans ce qu'on appelle la fidélité, pour être fidèle dans le ministère, c'est l'engagement. Nous avons dit oui, et notre oui, nous doit être un bon demain. Amen. Vous pouvez dire, si quelqu'un peut être sur la radio, oh, je me projette de me marier déjà, mais il y a un humé. Non, il n'y a pas un humé. Parce que le lieu, c'est terminé. Que ton oui et que ton non, c'est clair, non? Ton oui, tu t'engages, et ton non, tu n'es pas prêt pour t'engager. Alors, c'est juste pour dire cela, bien aimé, parce que nous, n'oubliez jamais que nous sommes humains. Peut-être que l'apôtre ou le pasteur d'esprit, nous sommes des gens qui ont des privilèges à part, nous sommes protégés, mais que nous, non, bien aimé, c'est l'engagement de notre Dieu. Amen. Et Dieu a testé. Alors je vais faire ma parenthèse, mais si vous voulez des enseignements concernant avec quelques conseils au niveau de secret, veuillez nous inscrire. Je vous donner un petit peu de conseils avec les enfants, avec votre épouse. Est-ce que vous voulez faire?
prier là aussi. Parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. Je dis que Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. Amen. Et je disais à l'enfant sur la terre, ça fait chier. Mais ça fait chier aussi. Amen. Amen. Ça fait chier aussi quand on fait. C'est une nouvelle génération. Et dans le sens que on a bien sûr des bagages, on va laisser un bagage en arrière, qui nous aide bien sûr parce que l'expérience est un bon célibat. Mais l'expérience n'est pas notre maître. C'est Jésus notre maître. Amen. C'est Jésus notre chef. Amen. Je peux lui donner des expériences avant de marcher dans la vie. Parce que tu n'es pas encore arrivé, peut-être que ça va être 10 ans maintenant ou 30 ans, 35 ans. Mais par contre, je peux vous donner déjà les conseils du maître concernant la vie. Amen. Voilà donc, je vous laisse les annonces pour dommage, parce qu'il y a une sœur, pour les fêter son anniversaire, je vais partager la vie de ce moment. Merci Seigneur, parce que nous avons la grâce et le privilège de nous rassembler. Pour prier, pour prêcher la parole, pour faire le service. Mais nous ne pouvons pas faire la chose plus pour partager la cour à l'occasion de l'anniversaire ou autre. Et j'ai un souci encore, j'ai dit à cette personne, mais bien sûr, les gens, je suis un peu triste cette fois, parce qu'on a voulu inviter tous les frères, les soeurs, les villes dans le tampon, le Saint-Luc, et de faire passer un bon moment, de prendre un grand bateau qui est toute la place dans la salle. Mais, le Seigneur a voulu le contraire. Amen. Le respectons parce que nous voulons vous voir en santé. Hein, Dieu veut vous voir en santé déjà. Donc nous respectons les gestes de marqué. Hein, donc on sera pour prochainement comme le Seigneur permettra. Et là j'ai un autre souci qui est bien sûr concernant le ministère, pour le service matériel. Est-ce que les gens qui ont déjà pris la décision pour se baptiser ici, parce que là je suis un jeune tampon, je pense à aussi, bien se faire baptiser. C'est des gens qui ne pourront pas passer par les autres du matin, donc n'hésitez pas à venir me voir après déjà le culte. Mais j'ai parlé déjà concernant pour baptiser ces personnes et je suis en train de travailler dessus pour le mois de septembre, peut-être après le 13. Hein. Mais je ne pourrais pas faire le service matin le dimanche matin. Vous savez pourquoi? Parce que si on invite tous les chrétiens qui sont là, les chrétiens de Tampon sont là, les chrétiens de Saint-Louis sont là, les méchants, il n'y a plus parlé. Hein? Il n'y a plus parlé ici dans la salle. Alors nous sommes sages, et je fais le service baptême le jeudi soir. Hein? Donc un jeudi soir, on aura moins de gens, parce que jeudi on a moins de gens. Donc c'est plus sage, parce que ces gens-là veulent se faire attirer de faire bien au service du Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors je mets ça sur votre cœur, si je vous priais. J'ai pensé, j'ai réfléchi à soi de faire le service baptême. On va faire cette question, hein. On va faire ça bien jeudi soir. Donc on ne va pas éviter personne de faire parce que souvent on est limité avec bien sûr la COVID-19. Que Dieu vous bénisse et que la grande situation va vivre. Amen. Alors, je vous transmets aussi à mes salutations, la compagnie avec le pasteur à Rivière des Antilles, avec le pasteur Nadal qui m'a appelé d'un mariage. C'est vrai que j'ai droit de prier pour moi, pour que le Seigneur me donne la part. Je dis, je te bénis, je ne prie pas pour moi, je te bénis au nom de Jésus. Alors, et va demander aussi de vous transmettre vos salutations et de prier aussi pour eux. Et c'était vraiment un grand privilège pour le frère, sœur, le humoriste, de recevoir un encouragement. Et le retour, ils étaient encouragés, prendre le dirigeant par le directeur avec l'apôtre Ali, le pasteur Jean, bien sûr. Et cette semaine, bien sûr, demain soir, la prière, hein, à 19h, je vous encourage, fidèles, de lundi dans la prière. Il y a sœur Marie, elle est là, parfois le dimanche au travail. Lundi soir, après la prière, elle est venue seule devant le pleurant. Elle a dit, de se marier avec ma femme, et à son fils qui se trouve en Allemagne. Et son fils n'a pas eu l'embauche avec un patron. Et il a noyé, il est loin de sa famille, sinon il a retrouvé après d'avoir suivi sa formation. Et les autres stagiaires qui étaient avec lui, son fils, ils ont reçu. Je dis, ma soeur, ne t'inquiète pas. Le Seigneur a déjà préparé le meilleur pour ton fils. Amen.
ça, on avait fait des petits crêpes, ça. Mais ça, ça sautait en plus de temps, ça. Le menu est plus consistant, ça prend plus de temps. C'est pas fait un petit crêpe comme tout ça, quand tu fais chocolat dans ça. Les chrétiens, ils ont un petit crêpe. Je veux dire, tu as plus de petit crêpe. Il y a un peu plus de temps, hein. Mais Dieu veut toujours le donner les changements. Moi, j'ai appris ça. Au départ, je suis comme ça, c'est un petit peu à Tibet. Mais le Seigneur ne veut pas élever le Tibet parce que nous ne sommes pas dans les étrangers déjà, mais nous sommes des gens de sa maison. Le Seigneur veut donner l'esprit de Dieu, en abondance. Et je dis ça, on va prier avec la vie. Ton fils sera le meilleur. Ton fils sera la roche. Et elle est venue là, je te sois souriant. Elle était contente en disant que son fils a. Cette semaine même, elle était en branche. Amen. On l'a pris. Et en plus, on lui a donné déjà la meilleure entreprise. Meilleure entreprise. Et c'est pourquoi elle est venue déjà. Parfois, elle a dit cette sœur, elle m'a dit elle reste moyenne à l'église. Amen. Elle reste moyenne à l'église qui prie. Parce qu'elle m'a expliqué son mari, récemment, à faire la messie. Il ne pouvait pas parler ça, elle ne pouvait pas parler ça avec son mari. Le père, ça a contrarié son mari, ça va parler ça son mari. Donc, les gens, on ne peut pas dire que n'importe qui, mais on vient à l'église. Parce que l'église, on ne va pas passer le temps pour discuter, c'est pas un tribunal, mais l'église, elle a compris. Et on a prié pour elle, elle est partie avec la joie, les larmes se sont séchées de l'église. C'est pourquoi je vous dis, on a besoin de porter le fardeau des âmes. À la prière. Amen. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit de prier les uns pour les autres. Alors, demain soir, prière à 19h, mardi, samedi, fin juillet. Non, pas encore. Et mercredi soir, le culte pour les frères et sœurs des amis du Bourgois à 18h30. Et jeudi, notre réunion dans 7 ans à partir de 19h. Et bien sûr, le culte comme tout le dimanche matin à partir de 9h. Amen. Voilà, donc nous avons, comme je dis, nous avons l'autorisation de rassembler et bien sûr avec geste de prière. Merci pour les frères qui sont venus, on a pu mettre dans cette bière afin de permettre les gens, ceux qui viennent de la salle de l'aider, de connaître les jours et les horaires de nos réunions. Amen. Et de connaître aussi bien sûr qu'est-ce qu'on fait ici à l'église de la voie du Saint. Alléluia. Alors, ce matin, les amis, j'aimerais vous parler de le véritable service. Vous savez, dans l'Église, on parle pas pour les gens qui n'ont jamais connu le Seigneur, qui n'ont jamais passé par la connaissance, qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur du Seigneur. Je parle pour l'Église. L'Église doit connaître comment passe le véritable service pour Dieu. Si je pose la question, est-ce que le service que tous les chrétiens qui apportent le dimanche matin, si je parle concernant le culte, est-ce que tout le service que le chrétien apporte au Seigneur, que Dieu prend plaisir à? La réponse est non. Je vous dis pourquoi. Parce que il faut les choses sans la connaissance. Et quand on n'a pas la connaissance exacte, on n'a pas la vérité, on est dans l'ignorance. Et quand on est dans l'immense, on périt. Périt dans le sens, ça, je ne parle pas que vous allez mourir, hein, vous serez plus là sur la terre. Non, vous allez périr votre vie spirituelle. Vous allez rester sur place. Et voilà ce qui arrive à les chrétiens qui ne comprennent pas. En ce moment, j'ai un fardeau dans mon cœur pour certains bébés spirituels. Un peu partout dans mon vie. Je sais qu'il en manque un peu. Et je parle plus loin, le diable est comme aussi. Le diable connaît qu'ils n'ont pas la ceinture dans le pays. Ils ne sont pas entourés dans le pays. Il y a des services dans Dieu. J'ai tellement vu parler des bêtises qu'il y a des méchants dans les églises. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai connu certaines bêtises. Pas volontairement, mais inconsciemment. Et quand la vérité, la parole de Dieu est venue à l'église, je dis non. Là, je dois faire attention. Parce que Dieu ne veut pas. Un sacrifice, un service qui est mélangé. La Bible dit que nous ne pouvons pas mélanger
achète le vieux vin avec le vin nouveau. Comme la vie qui est vieille habite, à l'époque de la lettre, nous allons vivre ensemble, ça va déchirer. Ton service pour Dieu, lorsque ton service est bien fait, et véritable, ton service est agrégé. Et lorsque ton service est agrégé, de moi, je te bénis. Je suis là depuis des années. Avant de prêcher la parole, c'est un service, bien sûr. Hein. Mais d'apporter la louange, l'adoration, les actions de grâce. Et d'apporter la liberté, nos offrandes, nos prières. Bien aimé, Dieu m'a toujours béni dans vous. Parce que je connais les enfants. Je connais la vie. Quand je comprends bien aimé comment fonctionner dans le véritable service de Dieu. Ça commence et nous devions persévérer jusqu'à là. Hébreux, chapitre 9, au verset 11. Hébreux, dans le Nouveau Testament. Voyez l'Apocalypse à la fin de mon vie. Jules, Jean, Pierre, Jacques, Hébreux. Chapitre 9, au verset 11. Alléluia. Saint-Esprit va consolider le fondement dans l'Église. Amen. Et le Saint-Esprit va poser cet fondement dans la vie de chaque personne. Alléluia. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ, le Messie, est venu comme souverain sacrificateur de bien à l'Église. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait que pas construit. Le maintenant, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. On sait qu'il vient d'en haut, on suit par le Saint-Esprit. Il est entré une fois pour tous. Et ça, on peut bien souligner. Il est entré une fois pour tous, pas deux fois, une fois. Dans le lieu des saints, qui est entré une fois pour tous avec les saints, Christ. Et ça veut dire celui qui pourra nous enlever le Christ. Non, par le moyen. Non avec le sang du tout comme sur l'Ancien Testament, voulez-vous, mais avec son propre sang, ayant tenu sur une rédemption, pas pour quelques années, mais une rédemption éternelle. Car si le sang de l'eau et des boucles et la cendre du marche répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure seulement la pureté de la chair, pas de l'esprit. Combien plus fort les hommes, le sang de Christ, qui par l'esprit éternel s'est offert à lui-même, sans tâche, purifiera-t-il votre conscience, verset 15, votre conscience, votre vie, les œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat de la possession commise sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qu'il leur a promis et nous accompagnera. Amen. Bien-aimé, c'est impossible pour un enfant de Dieu que son sacrifice soit véritable, soit accepté par Dieu sans avoir été purifié dans sa conscience. Le Dieu de la Bible, je peux le dire, seulement par le sang précieux de Jésus-Christ. Enfin, les chrétiens, ils savent seulement que le sang de Jésus. Le sang de Jésus m'a fait c'est très bien. Mais il ne réalise pas que par le moyen du sang précieux de Jésus, la bonne nouvelle a été louée. Amen. Nous avons accès dans le but des saints. Aucun nom, aucun apport, aucune église, rien dans ce monde pourra
Amen. Aujourd'hui, il y a un peu de message sur le son. Je ne dis pas qu'on n'a pas les gens de demander au Seigneur là encore que Jésus n'avait pas ton sang, mais il pense seulement le sang de Jésus lorsqu'ils ont commis quelques fautes ou bien lorsqu'ils sont dans un problème. Mais il ne réalise pas que le sang de Jésus, c'est un sang précieux, c'est de Dieu. L'homme ne peut pas nous entrer dans la présence de Dieu. On ne parle pas d'argent ou autre, mais seulement par le sang de Jésus.
Si on ne passe pas par le sang de Jésus, bonjour bien-aimé. Cette semaine, vous allez broncher. Et comment votre service ce matin est agréé par Dieu? La vérité, le secret et la lumière de la révélation, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus a ouvert une voie sainte. Amen. Amen. C'est pas une voie de l'église, il y a des mélanges, une voie que, genre, à certains moments, ma graisse, à certains moments, ne va plus, genre, à certains moments, on comprend, à certains moments, on ne comprend plus, genre, à certains moments, on est troublé, à certains moments, on est trompé, genre. Non, le sang de Jésus, genre, a inauguré une voie pour tout le monde, le chemin à la voie. Il a inauguré cette route nouvelle, cette voie qu'il a inaugurée, afin que nous puissions servir Dieu. Tu dois comprendre quand tu sers Dieu dans ce matin. Tu le sers par Dieu parce que j'ai comme un esclave pour l'année, un esclave pour l'année. Les gens qui vont d'un gauche jusqu'à dimanche matin, ils vont à l'église, avec l'église, le matin, pour les minutes, je suis maintenant, je ne vis plus, etc. Non, le Seigneur, il t'a acheté, il t'a lavé par son sang, le Seigneur t'a donné le privilège par son sang d'entrer dans sa présence, afin que tu puisses le servir. Amen. Amen. Servir pourquoi? Le sang de Jésus n'est pas seulement là, mais lui, il dit, Seigneur, pardonne mes péchés, guéris mes maladies, protège-moi par ton sang. C'est très bien, il faut le faire, j'appuie ton sang sur ma famille, sur la maison, etc. Mais le sang de Jésus, qui nous a racheté pour Dieu, ça, qui a purifié le bon sang de ses morts, afin de servir le Dieu vivant, maintenant nous pouvons servir le Dieu vivant comme des sacrifices. Amen. Par son sang, à celui qui nous aime, il nous a rachetés par son sang. Il nous a délivrés par son sang. Et il a pris le mur, le Seigneur, le Seigneur, un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Je dis un royaume de sacrificateurs. J'ai envie que ton sacrifice aujourd'hui, je viens de l'aider, soit plus qu'aujourd'hui. Si ton sacrifice est fait, si ton sacrifice ne répond pas au ciel, quand je dis sacrifice ne répond pas au ciel, c'est-à-dire que ton sacrifice n'arrive pas avec le cœur de Dieu pour. Ça croit le son. Nous-mêmes, quand les gens nous donnent cette chose, ils savent même là. Nous, hein. Mais pour Dieu, quand nous donnons les choses, c'est une petite action de grâce, un petit merci à l'air qu'on va faire. Hein? Un alléluia, ça pourrait faire. Notre corps, je vis sur mon corps, ben, je suis pas en forme pour donner ce sacrifice. Vous savez pourquoi? Parce que si nous avons été rachetés, l'âme est sanctifiée, et c'est pourquoi après nous avons l'église, nous avons été mis à part. Amen. Amen. Pourquoi il nous a pas dit maintenant je suis avec le Seigneur le protège, c'est très bien, le Seigneur le bénisse. Non, le Seigneur fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et c'est pourquoi Dieu cherche des prisons. Amen. Et on ne peut pas adorer Dieu l'aimé convenablement quand on ne le réalise pas, on ne vit pas, on ne met pas le sang de Jésus là où il faut mettre en priorité. Alors, le serviteur comme sacrificateur. Parce que ce sang a inauguré cette voie sainte, afin de servir Dieu dans sa justice. On ne sert pas Dieu avec lui. Ne croyez pas que je viens là, j'avais Dieu, je sers Dieu, j'ai élevé ça dans le ministère, parce que je l'ai. Non! C'est à cause de son sang. Le riche homme est à cause de son sang. Alors, nous servons Dieu dans sa justice. Dans la justice, ça vient à travers la croix, à travers le sang de la justice qui a payé, qui a rendu témoignage pour nous, les méchants, prêts et pas en notre faveur, la justice de Dieu.
Nous serons juges là dans son sein. Car il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à leur service et limité, leur service est bloqué. Parce que oui, je veux que Dieu, et cette semaine, je péché. Je finis là. Alors cette semaine, je t'en prie. Cette semaine, je n'ai pas prié. Cette semaine, je n'ai pas fait la Bible. Cette semaine, je n'ai pas pu boire le frère seul dans la communion. Là, tu es voici. Et la culpabilité gagne le sur toi. Qui dit la culpabilité gagne la vie sur toi. Et devant le diable aussi gagne la mort sur toi. Mais quand tu réalises ça, le sang de Jésus, c'est ma sainte vie. L'Esprit de Dieu porte le sang de Jésus. Il a pris dans la vie. Parfois, quand le Saint-Esprit agit, Saint-Esprit, je veux que tu fasses ça, que tu fasses ça, je sais que tu es capable, mais Saint-Esprit dit ça, mais je n'ai pas l'épée. Je n'ai pas l'épée. Tu me dis, non, pas de cette vie, mais je n'ai pas l'épée. Tu as la Bible, mais je ne veux pas la parole. Quand tu donnes la parole au Saint-Esprit, c'est là que le Saint-Esprit agit. Parfois, je regarde les chers, mon cœur saigne. Je dis, quelle pauvre vie. Jusqu'à ce point, la destinée, ça bloque la situation. Mais je prie, j'ai déjà prié, ça, ce matin-là, que ce message vienne de la bonne. J'ai besoin de la présence du Seigneur.
Il faut que tu viennes là-bas porter le ciel, le pousser dans les gars, dans cette salle que tu ramènes dans la présence de Dieu. Et le sang de Jésus a ouvert la porte, le chemin. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque nous prenons le Seigneur, pour la toute première fois, son sang de l'âme, le purifie, le Seigneur est dans sa présence. Restez là, lui. Voyez-vous quand quelqu'un est mort le Seigneur, vous faites chance. Quand quelqu'un est défendra, il néglige le sang de Jésus. Quelque part, il ne rompt pas son engagement à l'alliance. Vous allez voir comment il mourra. Vous allez voir comment ce chrétien-là, qui est déjà, peut-être par la paix, par la joie, la paix, l'amour, mais il ne va pas être déçu. Il va élire quelqu'un qui parle de l'homme mal des uns et des autres. C'est très bon. Quand Dieu est même, regarde le sang de son fils. Il est dans toi. Et tu as pris. Alors, il observe tout le marge de notre service dans son royaume, tout simplement. C'est pourquoi je le lis comme tel, le véritable service. Dieu, avant tout, il regarde le sang de Dieu. Parfois, il y a des gens qui se répandent, quoi qu'il ne passe pas là. Mais si on se répand seulement pour dire, je regrette, c'est pas pareil. Ah, je regrette ça, d'avoir commis telle chose. Tu te répands et tu pleures toute la journée. Tu te répands, tu paralyses, tu vas te condamner, tu vas te priver ça. Jésus, il ne peut pas. Et les gens parfois disent, mais je me suis bien répandu ça, j'ai bien répandu devant Dieu ça, j'ai regretté ça, ça c'est une chose ça, mais Dieu ça, Dieu ne voit pas ce que tu regrettes, mais Dieu voit le sang de Jésus ça. Je dis que Dieu voit le sang de Jésus. Amen. Parce que le répandance nous a pas libéré d'abord. Parce que le répandance est un tout ça capable de purifier notre conscience, mes amis. Et seulement le sang de Jésus. Parfois, nous arrivons dans la prière. On peut dire, voilà, je veux bien prier, bien formuler les phrases. Je ne veux pas tromper dans mes vocabulaires. Oh, je veux dire des mots, et encore, je veux mettre l'accent en même temps. Tu n'as rien à voir. Dis bon Dieu, ça, dis Seigneur, tu t'aimes. Il y a des gens qui parlent dans la gauche, il y a des gens qui parlent sur la langue, mais c'est pas ce que la façon de faire s'intéresse à Dieu. C'est le sang de Jésus. Quand tu pries bien, pas de faute dans cette vie, vous avez des gens, pas de faute. Voyez que Dieu va vous expliquer ce que c'est. Et le jour du détail, c'est ça. Je me souviens, quand j'étais jeune, quand les jeunes ont fait des bêtises, je me souviens que j'ai fait la raison. Si quelqu'un me dit là, on connaît des erreurs. Quand tu connais des erreurs, tu te corriges. Tu as manqué à mes yeux, je pense que j'ai manqué quand je vais recommencer. Alors, dans une réunion de prière, je voulais faire aussi un peu le grand. Quand on me dit, je veux faire le grand parmi les anciens. Conseil de m'avoir, je vais m'avoir. Et ça me fait la prière. On va dire que le ruisseau de Dieu, on va essayer dans le sens, le ruisseau de Dieu, j'arrive près de vous. Je dis, ça, je cherche le mot ruisseau, ça n'est pas dans ces avantages, là. Le réservoir de Dieu, même. Les gens qui parlent anglais dans le cœur,
fort. Mais quand je suis parti là, dans les pays anglophones, les gens disent ça, apprends-moi le français. Ta prière est forte, ta prière est puissante, ta louange est puissante, ton adoration est puissante lorsque il y a une plateforme où les pas sur le sang. Alléluia. Regardez la louange. Le diable, il savait que dans les 7 ans, ça c'était l'homme que je rappelais. C'était pas le parfum. C'est pourquoi la Bible dit que le tabernacle est construit, ça a été fait dans les hommes. Et Jésus-Christ est sorti directement d'en haut. Alors, nous voyons bien aujourd'hui. Ils ne vont pas offrir leurs offrandes sans oublier le sang. Vous êtes allés? Et ça colle des dégâts. Il y a des gens qui étaient dans ce milieu qui ont dit ça colle des dégâts. Mais si tu ne mets pas le sang avant ce père, il sait que le dégât va vous donner pour. Vous êtes là, les deux? Est-ce que Dieu l'a mis? Amen. Je te pose la question, qu'est-ce que tu fais avec le sang de Jésus? Le sang de Jésus, là, c'est un esprit éternel. C'est le sang que la nouvelle alliance, le sang des boucs, des animaux, ne peut pas nous emmener dans le lieu des saints, mais seulement dans le sang de Jésus. On la neige, avant de poser ta prière, avant de poser ta louange, avant de poser ta adoration, mais le sang se Amen. Ça, c'est le secret que j'ai appris depuis des années. Tout ce que je fais, je le sens sur mon cœur, je le sens sur mon âme, et je sais quand ma prière va monter, déjà, Dieu, il va m'écouter, ça. Dieu, il va m'écouter, mais en même temps, il voit dans l'esprit le sang de son fils. Même si tu as trompé l'âme, même si tu as bégayé la prière, le sang de Jésus ne trompe pas, ne bégaye pas, mais Dieu qui est sauvé. Et parfois, on prie du banal, bizarre. Moi, j'ai prié par un fil. Ça vous est arrivé de prier dans le sommeil? Hein? Et cet amour, vous lui priez, vous dites, bon, gars, c'est pas le prière. Vous arrivez? Oh, les parents, cela arrive dans la porte parfois. Je vais arriver tout seul. Il a porté ton bien ton sommeil. Mais mon Dieu, pourquoi il est levé dans le temps? Mais il me voit le sang de Jésus. Qu'est-ce que je fais? Je dis, Père, je n'ai pas vu prier dans le temps, pas besoin de mon bras, mais mon sang couche. Mon sommeil est basé sur le sang des yeux de Jésus. Amen. Pratiquement le Père, le ciel s'est élevé. Quelque part, tu vois là. Je ne peux pas venir. L'action ne peut pas venir. Dans l'Ancien Testament, vous m'avez bien aimé, c'était la typologie, c'était les hommes d'un type. Avant qu'on met l'huile sur les oreilles ou sur une partie du corps, par les sacrificateurs, les gens qui étaient malades, on mettait le sang. C'est pourquoi ce qui arrive à l'Église, ils sont pour de la précipitation, mais ils ne vont pas pour ceinture à l'Église. Nous pouvons nous approcher à travers le sang de Jésus-Christ. Avant que tu portes ton sacrifice, ton service, mais le sang de Jésus. Amen. Ça, c'est pour servir Dieu. Et ça marche aussi dans tout ce que tu vas faire là, dans tes entreprises. Tu regardes le sang de Jésus. Alors, il accepte notre marche. Notre service devient véritable pour lui à cause du sang de Jésus. C'est pas moi de mérite. Avant de dire, oh, le cul était top, le choc était top. Ça, c'est nous qui donnons notre analyse, notre jugement. C'est nous qui donnons notre avis. Mais même si Jérémie a joué fausse note, même si Johan a donné une barrière dans le vide, je vous pose la question, est-ce que j'ai accepté le sacrifice? Par le sang de Jésus. Amen. Même si tu as choqué ta voix, à force de
pas m'écouer. Même si tu as mal pris le champ, et je vous exhorte, c'est un jour où vous avez mal pris, recommencez ça. Mais il y a le sang de Jésus-Christ. Amen. Il y a tous les gens qui ont passé, Dieu. Moi, j'ai vu tellement une groupe chrétien avec des choses dans Dieu. Ça a révolutionné quelques années déjà à l'église dans le monde. Et après quoi, le groupe s'est cassé. Le groupe, les disputes, etc. On a le besoin de prendre l'exo. Dans l'exo, il y a un exo, tout le monde pourrait être l'exo. Mais aujourd'hui, il y a même ça. Même si l'exo est plus là, d'autres groupes n'est plus là. Mais toi, tu es là pour le même Dieu, ça. Tu es là pour adorer Dieu, ça. Mais le lève le sang de Jésus. Amen. Moi, je suis chrétien. Oh, c'est bien là, c'est top. Mais c'est pas ça, mes amis. Regarde le fruit. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens comme ça. Ah, ils étaient là, ils chantaient bien. Et ils s'exprimaient tout là, dans cette soirée, dans cette soirée, ça. Seigneur, que tu montres dans sa présence. Amen. Mais seul ne reste pas le sang de Jésus. Amen. Qu'importe si tu vas chanter en créole, qu'importe si tu vas chanter en français ou en anglais, si tu parles chinois, je ne sais pas, car, mais qu'importe, hein, mais Dieu voit le sang de Jésus. Quand je prie le matin, Dieu voit le sang de Jésus. Quand je prêche la parole de Dieu, Dieu le Père voit le sang de Jésus. Parce que n'oublie jamais que le cœur de la parole, c'est le Christ lui-même. Amen. On ne sait pas notre meilleure réponse, la meilleure dans les prières, la meilleure des louanges. Ce n'est pas notre culte aimé en premier que Dieu avait. Ce n'est pas notre service en premier. Mais ce qui est déjà été fait avant la fondation du monde, la nourriture qui est déjà. Tu vois le sang de Jésus. Et j'ai vu ça dans la réunion. Moi, j'ai ressenti cela dans cette réunion des médias. Je dis, Charles, et après, il y a des pasteurs qui sont venus, Charles, ils ont parlé en disant qu'il y a une résistance, il y a une opposition. Et parfois, on croit que c'est le diable qui est opposé. Non. Mais Dieu résiste aussi. Tout simplement, ils se sont cherchés avec la qualification professionnelle. Ils ont très attention. Parfois, les gens, ils croient qu'ils sont habitués à la prière. Ah, je suis habitué à prier. Mais si on base sur nos expériences, si on base de ce qu'on est capable de prier maintenant mieux que les autres élèves, vous croyez que cela va en efficacité l'exaucement de la prière. Et la parole dit que la prière est juste. C'est-à-dire, celui qui il est conscient qu'il a été sanctifié, il a été justifié par le sang de Jésus. Sa prière est grande efficace. Amen. Sa prière est grande efficace. Mais Dieu porte le regard à lui, surtout l'Église de son Fils Jésus-Christ, de son sang. Merci. Ton hôtel, qui est ton cœur, ton esprit, ta vie, doit avoir tout autre sacrifice pour Dieu, Jacques, d'être aspergé du sang du grand sacrifice de Jésus-Christ. Avant, je viens louer Dieu, adorer le Seigneur. Moi, je n'ai pas de problème de dire, oh, tu es un pote, non, c'est ça. C'est un bon serviteur que la prière. Si l'onction de Dieu ne suit pas, l'onction de Dieu n'est pas venu pour que Dieu ne suive pas, on est là pour ma mort, à quoi qu'on a l'expérience. Mais Dieu met son onction sur le terre de son Jésus. Tu dois spéager. Tu dois participer à cette espèce de sang de Jésus. Seigneur, mon esprit, mon âme, mon corps, qui va faire rentrer la mort, la duration, Seigneur, les actions de grâce. J'espère que je sens, Père, que le sang de Dieu. Et quand je remets la relation au sacrifice, cela sera agréé par Dieu. J'avais
prier ce matin, fixer vos regards, c'est-à-dire le regard de vos cœurs, plus que tout autre chose sur le sang de Jésus. Parfois, dans un culte, il y a des pasteurs, vous avez quelques pensées, quelques expériences qui se passent dans un culte. Ceux qui dirigent, soit la louange, soit les anciens, ou soit l'homme de Dieu, c'est n'importe quel porteur, mais on sent cette voix et le courage. On sent. Mais on ne perd pas la direction, on ne perd pas le nord. Mais ça, on sait que le sang de Jésus est là, je le fais. Quand le sang de Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit va rentrer dans ce péché. Amen. On peut commencer dans une réunion par façon. On peut arriver déjà, dans une circonstance, on commence à changer déjà. Oh, cela peut déjà arriver, hein. Il y a un mec qui dit de cela, mais on commence à jouer la guitare, les corps commencent à casser. Ah, je vais allonger pour moi là. Et là, je vais prendre en moi. C'est juste là pour les tailles. La guitare m'a rendu. Je vous le dirai exactement. Il n'est pas loin. Mais je sais que Dieu va me sauver. Il y a un malgré ce qu'on dit là, hélas. Et là, le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus ne casse jamais. Mon père, c'est le sang de Jésus qui m'a cassé. Le sang de Jésus qui m'a cassé. Alléluia. Alléluia. C'est du point de vue du Seigneur ce matin. Fixez votre regard de votre cœur à la foi sur le sang de Jésus. Alors, c'est son sang qui donne la puissance à la vie. Tu es puissant à la vie. Fixons le regard dans le sang de Jésus. Amen. Tu vas continuer. Cet homme de Dieu-là, il ne crie jamais, il ne l'a jamais, et tout, il va déterminer déjà, il attend, avec autorité, avec efficacité, il veut être élevé à le sang de Jésus, il ne veut pas prier pour le monde. Il est là, il est là, je prie, il est bon, c'est vrai, ça va pour bien, je lui dis, c'est vrai, je lui dis, c'est vrai, pour le là, c'est vrai. Moi, j'ai entendu une prière comme ça. Je ne veux pas prier avec des gens comme ça. Soit je connais, je dis non. La Bible dit que nous ne vivons pas parfois la tièce dans la prière. La Bible parle de la prière, la fervente du juste, du verbe, la fervente la prière. Et le sang du Jésus-Christ rend ta prière la puissance. Tu es une femme, tu es un homme de prière, avec une prière puissante, plus la puissance. Tu veux faire prendre une tien. Tu veux te promener en faire, prie avec le sang de Jésus. Tu veux te promener dans les ténèbres, prie avec le sang de Jésus. Amen. Et surtout, pousser le sang de Jésus, c'est toujours le temps de Dieu. Commence à prier. On perd l'efficacité. Le sang de Jésus donne la puissance à la prière. Le sang de Jésus donne la puissance à l'évangile. Le sang de Jésus donne la puissance à la marche de l'évangile. Et le sang de Jésus donne la puissance à quand tu le sais, parce que Dieu va le sang de Jésus. Parfois, ça nous arrive de faire les choses pas convenablement, de faire les choses peut-être inconsciemment, mais là, que le sang de Jésus, je le perds quand même, mes étudiants. C'est pourquoi le Seigneur est connu en fait les choses que je n'ai même pas prié, je n'ai même pas que à cette chose-là, mais Dieu va les aussi. Alors, bien aimé, j'aimerais prévenir ce matin et nous envoyer dans ton deux jours, chapitre 13, au verset 15. Alléluia! Est-ce que tu aimes le sang de Jésus? Amen. Hébreux 13, verset 15. Le Père de Dieu se glorifie par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Il dit par Jésus-Christ, par son sang. On doit offrir, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fils de l'Ève qui confesse son nom, bien sûr.
par lui. Bien vu. C'est-à-dire, avant d'amener la louange, par lui, par son sang, offre à Dieu ta louange. Tu vas te libérer la timidité, tu vas te libérer la peur, je ne sais pas, tu vas te libérer ça, de tout ce qui te coince, qu'on est la louange puissante, alors offre ta louange. Offre-toi la louange. Offre au sacrifice de libérer déjà avec le sang. L'argent que vous avez donné là, dans le vent, qui peut vous garantir cet argent des pauvres? Hein? Qui peut vous garantir? Père? Personne. Mais avant que tu donnes ton argent, ou même quand tu prends quelque chose, un sacrifice concernant ton argent, ça peut être une nourriture, ça peut être un vêtement, là, pour le vacheur et le méchant, offre ça au sang. Tout est sanctifié par la prière à travers le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il est dit. C'est très important. Très important, quoi que nous faisons, quoi que nous fassions, bien évidemment, avant toute chose, mais seul le sang de Jésus. C'est ce sang qui va nous sauver. Si tu veux aller plus loin, si tu veux continuer à aller très loin, et quand je parle plus loin, très loin, dans les dépresseurs, dans le spirituel, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, ça, il n'y a pas mon chemin en passant par le sang de Jésus. Amen. Ne fais pas ça seulement lorsque je vois le Saint-Esprit. Ne fais pas ça seulement lorsque je vois le problème. Mais avant tout sacrifice. Et je parle en conclusion, en premier, ta vie. Quand tu offres ta vie, nous sommes nés de nouveau et la vie de Christ en nous. Mais n'oublie pas que nous mangeons encore. N'oublie pas que ça nous arrive de mûrir. N'oublie pas que ça peut nous arriver de commettre des erreurs. Mais si maintenant il y a un conflit dans nos pensées, venez avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu va plus regarder chaque des erreurs, Dieu va plus regarder chaque des fautes, Dieu va plus regarder chaque ce que tu as fait qui était mal, et Dieu te voit à travers le sang de Jésus. Amen. Et quand Dieu te voit à travers le sang de Jésus, quand tu rentres là, le dimanche matin, tu rentres là le lundi matin, tu rentres ici, chat, pour une réunion, tu rentres là le jour. Vous savez quoi, je vais essayer de faire là. Bon, bien sûr, là, on va souper les impérants que je vais donner. Je regarde chaque chrétien. Amen. Pas si seulement vous avez grâce. Si vous allez prendre gel pour purifier la vie votre mère, je regarde l'attitude du monde. Parce que la Bible dit que nous devions entrer dans ces portes avec le rouge. Amen. Amen. Avec les sacrifices. Amen. Et tout cela, nous avons déjà mis dans la préparation du sang de Jésus. Alléluia. Tu dois préparer ton sacrifice dans le sang de Jésus. Et quand tu pries le matin, prépare ta prière dans le sang de Jésus. Quand tu as terminé ta prière, tu verras, c'est dans le sang de Jésus que je recommande les prières. Parce que Dieu veille dans le sang de Jésus. Et c'est là que Dieu veille. Il va se sentir vraiment concerné, non pas parce que nous l'aimons, non pas parce que nous avons bien formulé le phrase de la prière, mais Dieu, ça, il va nous exaucer, il va nous écouter à notre sang de Jésus-Christ. Dieu ne détourne jamais ses oreilles ou son regard vers les gens. Père, quelqu'un qui cherche sa face et qui cherche sa face sur l'intervention par le sang. Jésus. Amen. Nos mérites, c'est tout dans le sang de Jésus. Oui. À partir de maintenant, de dire tout ce que je fais, je mérite dans le sang de Jésus. Tout ce que tu mérites, c'est grâce au sang précieux de Jésus. Le mérite dans le chapel, dans le naturel, c'est grâce au sang de vos parents. Deux fois.
la chose esprit de l'Éternel. Mais Dieu sait, il voit le sang de Jésus. Et le sang de Jésus parle pour nous. Amen. Amen. Alors Dieu nous aime dans le sang de Jésus. Alléluia. Et ne mets pas les bœufs et la chute. Ne mets pas la prière en avant, ne mets pas la manger en avant, ne mets pas le service de la prédication en avant, ne mets pas l'adoration en avant, mais le sang de Jésus-Christ en avant. Et tout après, sans budget, vous allez faire du bon dans les deux objectifs. Amen. Amen. Par le Seigneur, je vous en prie. Nous allons prier avec Frère Chemi avant de nous séparer pour le fassure de notre anniversaire. On va prier pour moi, vous et bien sûr vous aussi, l'Église. Et je vous invite de joindre avec Frère Chemi. Merci Jésus. Vous. Thank you.
pour les voies nouvelles. Là où le Seigneur répond à ton service, Dieu, Seigneur. Et ma service, Dieu, Seigneur. Comme tu envoyais là où le Seigneur pour donner les bonnes nouvelles, Seigneur, à tes serviteurs, tes servantes, à chaque ami dans le monde. Seigneur, je prie, Seigneur, que le pasteur Isbé reçoive, Seigneur, les bonnes nouvelles que tu veux la donner, Seigneur. La communiquer, Seigneur. Dans la vie, Seigneur. Et ses enfants, Seigneur, tu es sa récompense. Tu es sa promotion. Et maintenant, Seigneur, que ces bonnes nouvelles viennent, qu'elles expérimentent, qu'elles commencent le jour après jour. Parce que, Seigneur, tu es la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Seigneur, et nous avons mis l'ange la tour à apporter cette bonne nouvelle dans la vie de pasteur et de ce matin. Seigneur, au nom de Jésus, nous rendons grâce pour la récompense, pour les promotions, Seigneur Dieu. Oh Dieu, tu es la foi de l'Est. Nous te bénissons, Dieu, en toutes choses. Tu vas les garder, Seigneur. Et merci pour les portes qui restent ouvertes de vie, Seigneur, que tu as ouvert par ta grâce, par ta main puissante. Au nom de Jésus, amen. Applaudissons bien pour le Seigneur. Merci Dieu pour tout ce que nous avons fait à travers le son.